Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Du virtuel, des tutos pour du rimel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie filtre beauté. Quelques cœurs sur sa photo, mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des emojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle éteint son portable et commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu me parles de toi, que tu me partages tes rêves et tes doutes, que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait que t'aimer. Elle qui ne voulait que t'aimer. Merci. Mademoiselle Lilou. Les cinq coachs debout, soprano et sa plume magique, soprano qui vient féliciter, prendre dans ses bras le talent de Jennifer. Bravo. Florent, je vous ai trouvé particulièrement concerné par le propos, l'histoire, ému. Je me trompe ? Ouais. Elle a incarné sa chanson, c'est la plus mûre de tous ceux que j'ai écoutés. Elle est incroyable. Ah, mais... Merci beaucoup. C'est super beau. Beaucoup de maturité, il en cherche ses mots, hein, Florent Pagny, Lilou. Non, elle a fait une super performance, elle a incarné son truc, elle n'a pas fait la chanteuse, elle a chanté, elle était super en place, c'était superbe. Merci. Lilou, si vous voulez qu'elle devienne la championne de Jennifer, viens me rejoindre, Lilou, viens me rejoindre. Envoyez le 7 par SMS, attention, on marche, 72 500, téléphone 39 80. Jennifer, on a l'impression, j'ai eu le sentiment qu'elle était plus à l'aise avec sa voix, qu'elle occupait l'espace, la scène, qu'elle prenait plus de plaisir. Vous avez travaillé ça ? Oui, on a travaillé ça. On a travaillé un petit peu sur la timidité, le fait implicitement toujours ne jamais rentrer en frontal. Ouais. Parce que j'ai toujours cette crainte d'abîmer finalement ce qui nous emmène ici, ce qui nous fait craquer finalement sur les auditions à l'aveugle. Ouais. J'aime pas trop polir. Et donc je les laisse libre cours aux propositions artistiques qu'ils me font. Et puis après c'est du petit peaufinage comme ça. Mais il y a eu 2-3 petites ficelles glissées très implicitement, très vite acquises et comprises. Et c'est au-delà d'être une bonne chanteuse, c'est l'interprétation, quoi. Elle ne nous laisse pas indifférents, Lilou. C'est joli ce que vous dites. On n'est pas là pour abîmer peut-être cette fraîcheur. Ce sont des enfants. Mais oui. Ils passent à la télé. Oui, c'est un concours. C'est important. Ce soir, il y aura un gagnant ou une gagnante. Mais c'est d'abord une expérience. Ouais. C'est ça. Il faut que ça vous fasse du bien. C'est ça le plus important. C'est que c'est une expérience. Moi, pourquoi ça me touche déjà de un. Parce qu'elle l'a interprété d'une manière extraordinaire. Et même comme elle l'a interprété, je suis d'accord avec Florian,
avec Florent, c'est qu'on a compris le message de la chanson direct. Ça veut dire que même la mise en scène, elle a été magnifique. Ouais, très et beau on peut mise en scène applaudir Stéphane Jarny, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Notre scénographe, chorégraphe. Notre metteur en scène. Et metteur en scène. Bon anniversaire, Stéphane Jarny. Très beau tableau. Bon anniversaire. Et bonne chance. Et je peux dire quelque chose avant? Bien sûr, exprime-toi. Hier, c'était l'anniversaire de mon frère et j'aimerais lui souhaiter. Il est là? Joyeux anniversaire. Allez frérot, bon anniversaire et bonne chance pour ta sœur, pour Lilou. Bravo. Je te laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connectés. À plus tard.